On quoi tu On mình vừa đẹp phát cảm to cái chấm nạc này thì sạm nạc cả thì to tới này ở miền bắc đó thì cả chun từ cầm sạm thì bị nấm mốc nấm nang đang mình đang rọt vào bên ní đang bay miền đông cả trong cả tăng sầm nốt đến đầu thì của sợi dây steel header sùng chơi Merci, Monsieur le Président. Bonjour à vous, bonjour Mesdames et Messieurs les juges, bonjour à mes confrères et bonjour à vous, Monsieur Eder. Je m'appelle Elisabeth Simonifort, je suis avocate des parties civiles, je représente les parties civiles. Je vais vous poser quelques questions, ce sera beaucoup moins long que votre audition par le procureur. Vous avez indiqué le 10 juillet à M. le procureur que, outre les documents qui sont versés au dossier, outre ceux des nombreux classeurs que vous avez devant vous, vous aviez également écrit, rédigé beaucoup d'autres documents et procédé à beaucoup d'autres auditions. Je vais donc fonder mes questions à la fois sur les documents qui sont dans le dossier, et aussi les autres documents, bien sûr, puisque vous êtes un témoin et que vous pouvez témoigner sur ce que vous avez vu et entendu de façon générale. Et mes questions seront, bien sûr, essentiellement ciblées sur les parties civiles et plus généralement les victimes. Alors, je vais commencer par le premier sujet qui m'intéresse, c'est la période de mai 73 jusqu'au 11 avril 75, pendant laquelle vous avez dit que vous étiez ici au Cambodge et à Phnom Penh. Et je voudrais essentiellement, vous avez dit que vous aviez entendu des réfugiés, mais pas trop, en tout cas c'est ce qui a été dit dans la traduction française ce matin. Alors même s'il n'y en a pas trop, je vais quand même vous interroger sur ce que ces réfugiés vous ont dit à ce moment-là, entre 73 et 75. Donc vous avez dit que c'était des réfugiés des zones qui venaient des zones libérées. Ma première question est la suivante. Est-ce que ces réfugiés vous ont parlé des conditions de vie dans les zones libérées par les Khmers rouges? Et si oui, est-ce que vous pouvez me dire ce qu'ils vous ont dit? Period, 73 to 75 period. I don't really have a lot to relate I had some general accounts of the way things were organized in broad terms, and there was certainly some talk of difficulties with rice production following the beginnings, or more than the beginnings of cooperativization, some talk of executions and the like, but for better or for worse, in that period I was more focused on trying to do what I could, and again, it wasn't very much, with regard to Khmer Rouge structure and organization, policy, leadership, and the like. I probably should have done a lot more on conditions, but at this stage, certainly, really quite little.
I'm not sure I have much to offer you in that regard for that period. Certainly nothing more than I've already stated. If you want an order of battle for the Khmer Rouge as related to me by the Japanese military, that I have somewhere. But as for a detailed or even vague description of the situation in liberated zones beyond structure and organization. As I said, some talk of agricultural difficulties following the attempts at cooperativization, some talk of executions, but not a lot. En tout état de cause, je ne vais pas vous reprocher la façon dont vous avez ciblé vos recherches à cette époque-là. Hormis Udong et Kampong Cham, vous avez parlé, est-ce que vous vous êtes approché d'autres zones libérées pendant cette période ou pas? I spent some time also in Battambang, but Battambang was an area in which the liberated zones were in fact relative to the situation around Phnom Penh and around other provincial towns rather far away. So again, my contact when I was in Battambang with the situation in the liberated zones was fairly minimal. And I'll say that I didn't go to Kampong Cham until sometime after the city was partially and briefly taken by the Khmer Rouge. And to the extent that I talked to people about what had happened, it was mostly people who had been in the town and either escaped, evaded evacuation, or had been evacuated and then somehow managed to return. Udong, even fewer. Je vous remercie. Nous allons quitter cette période 73-75 et peut-être en venir à l'évacuation forcée de Phnom Penh, dont vous avez déjà un petit peu parlé avec M. le procureur pendant ces trois derniers jours. Et notamment, M. le procureur, vous avez lu un extrait du document E3/1714 qui est le document que vous avez rédigé à partir de plusieurs auditions de réfugiés à la frontière en 1980. Et à propos du plan d'évacuation de Phnom Penh, il vous a lu le témoignage numéro 29. En ce qui me concerne, je voudrais vous lire un extrait du témoignage numéro 18, qui est, selon vos notes, un homme de Takeo, peut-être un membre du parti. Je vais vous lire les ORN suivants en français 00-64-89-92, anglais 00-17-07-27, Khmer 00-32-47-31. Ce que je vais vous lire est assez court, je pense que vous n'avez pas nécessairement besoin de le lire sur le papier. Et voilà ce que dit cette personne, je cite: j'ai l'impression que le plan d'évacuation de Phnom Penh faisait partie d'une politique générale de longue date, parce que c'est ce que nous avions toujours fait quand nous libérions une zone ennemie. Dans le passé, nous avons évacué les gens des zones que nous avions libérées parce que nous avions peur de ne pas pouvoir tenir ces zones en cas de contre-attaque et donc d'être incapable de garantir la sécurité de la population et aussi parce que la population était source de main-d'œuvre. Et si nous rassemblions les gens, nous aurions des forces pour défaire l'ennemi. D'après ce que j'ai compris,
compris, le plan d'évacuer Phnom Penh avait deux objectifs. Un, maintenir la sécurité de notre nouveau régime et aussi, deux, résoudre le problème du niveau de vie de cette population. Parce que dans les campagnes, il y avait des champs et du riz, et ces personnes pouvaient produire et manger. Le principal, c'est que nous ne pouvions pas savoir avec certitude qui étaient les gens de Phnom Penh. Nous ne savions pas qui était officier de l'ONOL ou agent de la CIA. Nous craignions donc que notre ennemi puisse se relever. Fin de citation. Est-ce que vous confirmez également ce témoignage, monsieur? Yes, and it's generally consistent with what I've seen in some other documents and heard from other interviewees. Je vous remercie. Vous avez dit aussi le 11 juillet à M. le procureur que, et vous l'avez redit ce matin d'ailleurs, que dès la fin du mois d'avril 1975 et dans les semaines suivantes, vous étiez à la frontière thaïlandaise et que vous avez parlé à ce moment-là à des évacués. Est-ce que vous pouvez nous dire plutôt ce que ces évacués vous ont raconté? On va commencer par les motifs qui leur ont été donnés pour cette évacuation. Qu'est-ce qu'ils vous ont raconté sur les motifs qui étaient donnés? Many of them came from Battambang or Phu Sat, or Siem Reap, which is relatively close to the Thai border. Some of them described executions, particularly of relatively high-ranking military and administrative personnel. There was, as if I recall, in those locations, there was some talk of the threat of bombing. Not necessarily of American bombing, but there was, the situation was still such that it was possible there might be bombing by remnants of the Khmer Republic Air Force, T-28s, and other bombing-capable fixed-wing aircraft. But in general, they were also told, given this explanation that it was necessary for them to at least temporarily leave the towns in order that the Khmer troops could clear, sweep out the fang of, say, Khmer Republic military remnants or diehards that might attempt to continue to fight them. This was an issue in Battambang, not only in Battambang town, but in other parts of the province, because even as late as 1975, large parts of the province were still in Khmer Republic hands. Merci. Est-ce qu'ils vous ont décrit les conditions d'évacuation, la façon dont les gens ont dû partir, le soutien qu'ils ont pu avoir des Khmer Rouges en matière de nourriture, de soins, etc.? It was clear that this was a strict order, that everybody had to relocate, and
Were there instances in which, as I told of instances in which people have been killed for not going? Not that I specifically recall, but certainly there were descriptions given of armed forces coming in, people with guns, making it clear that if people didn't leave, there was at least a potential threat to their lives. Again, as in Phnom Penh, in some of these places, people were prepared to go at least somewhat voluntarily. Many of them had come from the countryside. The distinction between rural and urban in Western Cambodia and in these provincial towns was even less than was the case with Phnom Penh. So it wasn't entirely forced. And again, as I described in one of my answers to the prosecution about the unpublished story about what people thought was going to happen, at the very beginning at least, many didn't foresee that the situation, once they got into the countryside, or back to the countryside, was going to be as dire as it very quickly, or in some cases immediately turned out to be. Vous venez peut-être de répondre partiellement à ma question suivante, mais pourquoi ces gens se sont-ils réfugiés à l'étranger? Est-ce qu'ils vous ont expliqué les raisons pour lesquelles ils se réfugiaient, en dehors des conditions catastrophiques à la campagne, sur lesquelles vous pouvez peut-être nous dire un peu plus? Many of them were from among this upper strata, these upper strata of the military and civil administration of the Khmer Republic regime, and in many cases also the predecessor Songkhom regime. And word very quickly spread, rumors and reports about the fate of at least some of those senior or relatively senior upper strata military and civil administration personnel who had been gathered up and told something or another about getting their old jobs back or meeting CMO, and then were known to or believed to have been or feared to have been killed. Stories about a massacre that occurred, if I recall correctly, in the Phnom Tipadeh area of Battambang. And that was one of these instances in which the story that was told to those who were gathered up was that they were going to meet greet a returning prince it has to be said also that there were some instances in which former Khmer Republic senior military and senior administrative personnel were killed not by the Khmer Rouge but their own troops, who blamed them for all kinds of things that had happened under the Khmer Republic. But that was sort of a fringe phenomena. That happened, I think, particularly in Siem Reap. So not all the killing was done by the Khmer Rouge. They were killing by lower-level Khmer Republic or ordinary people. As I described the situation in Phnom Penh, there was a lot of hatred, I think it would be fair to say, certainly dislike, dissatisfaction with the Khmer Republic regime. So there was a bit of that kind of killing as well. So if you were a relatively high-ranking Khmer Republic military officer or civilian administrator, it seemed to make very good sense to get to Thailand and as far away from Cambodia as possible, as quickly as possible. Merci pour ces précisions. Je vais, comme je le fais souvent ici avec les témoins, lire un extrait d'une déclaration de partie civile et je vous poserai ensuite une question. Donc je voudrais lire un extrait de la déclaration de partie civile D22/306
est une partie civile qui était âgée de 18 ans en 1975. Les ERN sont les suivants. Français 00-89-80-83. Anglais 00-86-40-58. Ekmer 00-48-43-85-86. Et cette partie civile dit ceci. C'est une partie civile évacuée de Phnom Penh. Lorsque l'Ankar nous a dit de préparer nos affaires, ma famille a commencé à le faire et nous sommes partis immédiatement. Nous étions prêts à quitter notre maison avec quelques effets personnels, comme des vêtements, du riz et du sel. Nous avons commencé à marcher en direction de Kbal Thnal sur la route de Tak Mau, province de Kandahar. Ce jour-là, les routes étaient pleines de gens qui quittaient leur maison et partaient dans toutes les directions. Les routes étaient noires de monde, jeunes et vieux, hommes et femmes, chargés de leurs effets personnels. Certains d'entre eux transportaient leurs affaires sur des chariots. Les voitures et les motos ne pouvaient pas avancer. De jeunes enfants pleuraient parce qu'ils avaient perdu leurs parents et ils faisaient pitié. Des personnes âgées n'arrivaient pas à marcher et dormaient le long de la route. Ma famille a marché pendant 7 jours pour arriver au rond-point de Kbal Thnal. Lorsque nous sommes arrivés au rond-point, j'ai vu des cadavres de soldats qui avaient enflé et j'ai vraiment eu peur. Tout le long du chemin, nous étions strictement gardés par des hommes de l'Ankar, tous vêtus de chemises noires. Ils assuraient la garde pour empêcher que les gens s'enfuient pour retourner en ville. Les membres de ma famille ont marché séparément. Est-ce que, monsieur, cet extrait ressemble par un détail ou plusieurs détails à des choses que vous avez vous-même entendues de la part de personnes évacuées? If we talk in terms of not only things that I was told in April of 75, right, part of April, beginning of May 75, on the Thai-Cambodian border, but over subsequent years, certainly, yes. Je vous remercie. Je vais vous lire un autre extrait qui est cette fois pris d'un transcript du 5 décembre 2012. Le transcript est E1/148.1. C'est une autre partie civile qui dit ceci. Je cite, j'ai vu beaucoup de gens sur la route. Les gens marchaient depuis l'hôpital russe. Et j'ai vu que des... Il y avait des patients qui étaient sur des lits d'hôpitaux et que l'on poussait avec une perfusion. Certains d'entre eux, donc, étaient toujours sous perfusion. Et nous devions tous prendre la route dans une seule direction. On n'avançait pas très vite. On en a vu quelques-uns qui étaient à bicyclette ou qui avaient des cyclopousses. D'autres transportaient leurs effets personnels, d'autres marchaient, et certains étaient malades, et tout le monde marchait dans la même direction. L'ambiance était très tendue, et les Khmer Rouges, les soldats Khmer Rouges, ne nous permettaient pas de nous déplacer librement. Et un peu plus loin, cette partie civile dit ceci, à l'ERN français 00-86-85, anglais 00-86-81-40, Khmer 00-86-69-41-42, on lui demande si les Khmer Rouges
distribuer de la nourriture et des médicaments. Cette partie civile répond. Pendant notre trajet au cours de l'évacuation, les soldats Khmer Rouge ne nous donnaient ni nourriture, ni eau, ni abri. Nous sommes partis sans avoir emmené avec nous suffisamment de nourriture ou d'affaires personnelles. Et donc le soir, lorsque nous sommes arrivés, nous, à une étape, nous avons utilisé du tissu pour couvrir le sol. Nous sommes arrêtés simplement pour nous reposer. Et la nourriture que nous avions emmenée pour 3 jours avait pratiquement disparu. Est-ce que là encore, d'un mot, monsieur, vous pouvez me dire si, parmi les personnes que vous avez entendues, et là, bien sûr, je me réfère non pas seulement à ceux de 75, mais à toutes les personnes que vous avez entendues, est-ce que cela ressemble, par des détails, à ce que vous avez vous-même entendu? Certainly resembles many of the accounts that I recall having heard. There are other accounts according to which there was better provision of transport, food, water. Medication, I think, is virtually a non-issue. And better reception once they got to wherever it was they were first deposited, to use the official term. So I wouldn't say that the account that you just gave is describes the universal situation. It certainly describes a significant proportion of it, maybe a kind of average account. But again, in the situation in the West, was rather different. There was much more food available in the countryside. The numbers of people coming down out of the towns, provincial towns, relative to the number of people in the countryside was much smaller. So in the Northwest, the situation doesn't become so serious until the de facto failure of the first paddy season crop. Remember that there are people coming out in April 1975. There's still, at that time of year, a considerable amount of food left over from the previous year's harvest. It's only when there's not enough food, generally not enough food produced to feed everyone, even those who are already there in the Northwest, the situation begins seriously to deteriorate, and then to deteriorate catastrophically when more and more people are brought in from the Southwest and the East, creating a situation in which the ratio of people to food is very, very disfavorable to survival in many places for many people. Je vous remercie, monsieur. Je vais vous demander de vous en tenir au transfert forcé et peut-être pas à la situation d'après qui viendra peut-être dans mes questions suivantes. Mais je vous parle uniquement du moment du transfert forcé et je vous demanderai d'essayer de faire des réponses relativement courtes parce que j'ai peu de temps. Je vous remercie d'avance. Je vais vous lire un autre extrait qui est cette fois d'un procès verbal d'interrogatoire d'une partie civile évacuée de Phnom Penh. Et ma question est relative uniquement à cette phase de transfert forcé. Cette partie civile dit ceci, donc c'est le document D246/16 à l'ERN français 00-43-48-34, anglais 00-40-04-63 et Khmer 00-39-03-12.
Et cette dame dit ceci, on lui pose la question. Ce jour-là, qu'est-ce que vous avez vu dans la ville de Phnom Penh? Réponse. Lorsque je suis arrivée au marché de Deum Kor, j'ai vu deux ou trois personnes qui ont été fusillées à mort. Question. Pourriez-vous expliquer de manière plus précise qui donc a tiré sur ces gens-là et qui étaient les gens qui sont morts? Réponse. Quand nous sommes arrivés là-bas, nous avons été bloqués par les soldats des Khmer Rouges avec leurs armes à feu qui nous ont empêchés de poursuivre notre chemin. J'ai vu ces soldats Khmer Rouges mettre fin à la vie de deux ou trois personnes par des coups de feu. Ces gens-là étaient sans doute des propriétaires de maisons qui ont refusé de sortir de leur maison. J'ai vu cet événement de mes propres yeux. Question. Quelle sorte de vêtements portaient-ils ces soldats des Khmer Rouges? Réponse. J'ai vu qu'ils étaient vêtus de noir et de chapeaux noirs. Question. Est-ce que vous avez vu de nombreuses personnes le long de la route dans la ville de Phnom Penh sortir de la ville? Réponse. Tout le monde a été obligé de quitter la ville selon la déclaration des Khmer Rouges. Ils ont annoncé que les habitants devaient sortir de la ville pendant trois jours parce qu'ils avaient peur que les Américains ne bombardent. Ils devaient tout d'abord nettoyer la ville avec propreté. Et trois jours après, les habitants pourraient revenir dans la ville. Est-ce que, monsieur, vous avez entendu ce genre de déclaration de la part de personne? Je ne vous demande pas si c'est ce que vous avez entendu majoritairement, je vous demande simplement si vous avez entendu ce genre de choses des personnes que vous avez écoutées. I think there were some instances in, I believe it was Battambang, people being shot or threatened with being shot if they didn't leave their homes. On the other specific points, this famous specification of 3 days, my recollection is that wasn't commonly said with regard to these places in Western Cambodia. Temporary, yes. Temporary specifically for 3 days and then return, I don't recall that having been a theme. Je vous remercie. Je vais vous citer concernant le transfert forcé, le premier transfert forcé, je vais vous citer deux extraits supplémentaires concernant la déclaration d'une partie civile à l'audience du 30 mai 2013. C'est le transcript E1/199.1. C'est Madame Po Dina. ERN en français 00-91-75-99. Anglais 00-91-77-21-22. Et Khmer 00-91-79-84. Cette personne raconte un événement un peu particulier et je cite. Une fois là, on a entendu par haut-parleur que ceux qui venaient de Phnom Penh devaient s'inscrire. Certains sont allés s'inscrire. Mon mari voulait le faire, mais je lui ai dit que les choses n'étaient pas bonnes et qu'il valait mieux ne pas s'inscrire, mais plutôt continuer à marcher. Nous avons donc continué. Et au même, à l'ERN suivant en français, même ERN en anglais et en Khmer, elle dit, une fois sur place à nouveau, on a demandé aux familles de s'inscrire. Nous avons inscrit le nom des membres de la famille. Ils nous ont classés comme étant des 17 avril. C'est ainsi qu'ils nous appelaient.
Ils nous ont dit que nous étions des 17 avril et que nous ne pouvions pas nous arrêter là, mais qu'il fallait continuer à marcher. Je les ai priés de nous laisser nous reposer là. Ils ont refusé. Ils ont dit que ce village manquait de nourriture et que nous devions poursuivre. Concernant ces inscriptions et cette sorte de recensement, est-ce que vous avez entendu parmi les personnes que vous avez interrogées, que vous avez écoutées, et pas seulement en 75 et pas seulement pour l'ouest du pays, est-ce que vous avez entendu ce genre de propos? I think that one I can say was close to universal. Done somewhat less comprehensively in the West initially than places where the Khmer Rouge administration was more settled, but done everywhere. Thank you, Mr. President. I think it's about time I start objecting to the way these questions are being phrased. Let us remind ourselves that Mr. Heder here is a witness, and in general terms, a witness should not be led into his answers. Up until now, when the prosecutor was asking questions, it was always about his own articles or his own interviews. Now we are confronting, we are seeing this witness being confronted with witness statements and testimony of other people, and then Mr. Heder is invited to give a comment. Now, the whole issue of the evacuation is not a crucial issue, and the things that happened there to the Nguyen Chia defense team, but I still think that this is not a proper way of eliciting information. So I think it is important that the witness is being asked open questions and not leading in the way that has been done so far. And in addition to this, and that's why I also raised, I hear the witness saying that this practice described by this particular witness was a universal practice. Now, it is interesting for a witness to be able to determine if something is universal practice, but it at least seems to be an opinion on the things that happened, presumably in the whole of Democratic Kampuchea in 75 and afterwards. So I would also ask you, Mr. President, in the chamber to remind the witness not to give general or universal statements as to things that happened in 75. So my objection is twofold. It's leading and it is inviting apparently the witness to give an expert opinion on what happened Monsieur le Président, si je peux répondre, ça fait plus de 18 mois que je pratique cette façon de questionner un témoin, et le dernier en date est Monsieur Poncho, qui est peut-être le témoin qui se rapproche le plus de M. Heder, qualifié de témoin. J'ai utilisé des déclarations de partie civile. Je ne demande pas de commentaires. Je demande si le témoin lui-même a entendu des choses identiques ou, si c'est le cas, vu des choses identiques. Je lui demande aucun commentaire. Et j'attends de M. Heder des réponses qui me confirment qu'il a entendu ou vu ou bien, au contraire, qu'il me dise que non, il n'a pas entendu ou vu. Je souhaiterais pouvoir continuer. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu d'objection à cette façon de faire. Je voudrais pouvoir continuer pour les quelques semaines qui nous restent. Merci.
ទី 1 គឺ ឲ្យ ខ្លី ឲ្យ សម ស្រប នឹង ភាព ចាំបាច់ នៃ ការ ឆ្លើយ តប នឹង សំណួរ បាន ហើយ ជា វាង ការ អធិប្បាយ វែង ផុត ចេញ ផុត ពី តម្រូវ ការ ចាំបាច់ នៃ ការ ឆ្លើយ តប នឹង សំណួរ នេះ ជា ការ ត្រឹម ត្រូវ ហើយ នឹង សម ស្រប នឹង ពេល វេលា ដែល អង្គ ជំរះ កំណត់ រយៈ ពេល ខ្លី ក្នុង ការ តាំង ព្រួត នៃ ដល់ ចំពោះ លោក ផង Merci, Monsieur le Président. Je voudrais venir maintenant à la question du peuple nouveau que vous avez évoqué avec Monsieur le Procureur dans les jours précédents. Vous en avez un peu parlé. Est-ce que parmi les personnes que vous avez entendues au fil des années, donc si j'ai bien compté, plus de 30 années d'ailleurs, est-ce que ces personnes vous ont décrit de façon spécifique le traitement qui était réservé au peuple nouveau ou pas? Nhôm hạ đôi chia phần phèn nâng cho lòm hạ ta cua đã chào giảng mệnh. Certainly I've spoken to many people who were categorized as new people, one can conclude that overall there was a certain tendency of treatment in their regard, but at the same time there was variation. I'm not sure, I'd have to be brief, I'm not sure how much more specific. Je vais voir suivant le temps qui m'est imparti. Je vais vous lire un extrait d'une déclaration d'une partie civile à l'audience le 12 décembre 2012. C'est le transcript E1/152.1, RN en français 00-87-13-93. En anglais, 00-87-12-53 et en Khmer, 00-86-96-55. Cette partie civile, qui est Madame Afonso, a dit ceci, je cite, on lui pose d'abord une question. Vous nous avez dit tout à l'heure, Madame Afonso, que dans ce village, la distinction entre le nouveau peuple et l'ancien peuple que vous avez évoqué était très marquée. Pouvez-vous nous expliquer les conséquences qu'avait cette distinction? Réponse. Oui, elle était marquée dans la mesure où, d'abord dans la distribution du riz. Quand nous, on avait droit à une ration de riz, eux, ils en avaient deux. Et leurs femmes ne travaillaient pas. Leurs femmes mangeaient à leur faim. Leurs femmes pouvaient encore enfanter. Il y avait... J'ai vu deux femmes comme ça. Elles étaient enceintes. Elles mangeaient à leur faim. Mais nous, on n'avait pas assez à manger. Ils avaient de la viande. Ils avaient du poisson. Mais nous, on n'avait que du sel avec le riz et on ne mangeait que de du potage de riz, matin et soir. On n'avait droit qu'à deux repas par jour et les deux repas consistaient en une louche de potage. Le reste du temps, on ramassait les crapauds, les sauterelles, les scorpions, tout ce que je pouvais ramasser dans la nature, je l'ai mangé. J'ai même mangé des cafards pour vous dire à quel point nous avions faim. Nous étions devenus des animaux. On se disputait la nourriture avec leurs chiens parce que leurs chiens étaient mieux nourris que nous. Leurs chiens avaient mieux à manger que nous, les réfugiés. Monsieur Eder, je ne vous demande pas de me dire que c'est une déclaration qui correspond à la généralité des choses, mais je voudrais savoir si vous avez, vous, entendu des personnes vous décrire des choses de ce type. I think the answer has to be some, yes, or maybe many, yes.
between some and many. Yes. Je vous remercie pour cette réponse à la fois précise et concise. À propos du peuple nouveau et également de la propagande, je voudrais vous citer un transcript, l'extrait de la déposition du témoin 338, M. Kim Vun, le 22 août 2012. Le transcript est le E1/112.1. ERN en français 00-84-13-18, anglais 00-84-12-01-02, Khmer 00-83-99-03. Ce monsieur était chargé de la rédaction d'articles dont certains étaient diffusés à la radio. Et il dit ceci. Je cite, on lui pose une question. Je reviens au terme peuple nouveau. Avez-vous écrit sur ce peuple nouveau dans vos articles? Je précise que ce témoin n'écrit pas pour le drapeau, il n'écrit ni pour la jeunesse révolutionnaire, ni pour l'étendard révolutionnaire. Donc il répond. Dans notre politique rédactionnelle, nous ne faisions aucune différence entre le peuple ancien et le peuple nouveau. Et d'ailleurs, nous n'étions pas autorisés à faire cette distinction. Cette distinction était mentionnée dans l'étendard révolutionnaire, mais dans notre journal, on nous interdisait de faire la différence. Une partie de notre journal était copiée pour la radio, donc nous sélectionnions simplement des extraits qui n'auraient pas d'impact sur la ligne du parti. Nous recevions des consignes de nos supérieurs que la radiodiffusion était une sorte d'artillerie. Elle avait un impact énorme. Avant de diffuser le moindre article à la radio, cet article devait être relu à de nombreuses reprises. Nous ne pouvions pas le diffuser de notre propre initiative. Il fallait d'abord l'envoyer à être vérifié, relu. Le rédacteur en chef devait tout contrôler pour en limiter l'impact. Question. Vous avez dit que l'étendard révolutionnaire mentionnait le terme « peuple nouveau ». Pouvez-vous me dire ce qui était écrit dans l'étendard révolutionnaire concernant le peuple nouveau ? Réponse. Je ne m'en souviens pas. Je ne l'ai pas lu directement. Je faisais référence à l'autorité ou à l'autorisation. Le journal, notre journal, n'était pas autorisé à parler des choses secrètes, tandis que dans l'étendard révolutionnaire, il pouvait parler des choses secrètes pour le parti. Ma question est la suivante. Est-ce que, parmi toutes les personnes que vous avez entendues, en particulier des cadres, des membres du parti, est-ce que vous avez entendu cette différence entre la propagande destinée aux membres du parti et la propagande destinée à la population ou bien à l'extérieur? Between propaganda and education, to use, I guess, the more exact term, within the party ranks and vis-a-vis what in the party language were known as the masses. On this particular point, I'm not sure I understood what your witness said, and I'm not sure that from what I was told, it was a matter of having a distinction between new people and what I translate as veteran people in party circles and not having that distinction outside of party circles. I'm not sure that is one of the things for which there is such a policy distinction. But yes, in general terms, some things were reserved for internal party consumption, other things were disseminated for mass consumption. ចំពោះបញ្ហាមហាជននិងអ្នកដែលនៅក្នុងជួរបកជាដើម
Merci. Je voudrais maintenant aborder rapidement la question des ennemis et des traîtres que vous avez évoqués avec M. le procureur. Et vous avez dit notamment à une question qui vous était posée par M. le procureur et qui citait le cas de personnes, de petits larcins, tels que le vol d'une pelle. M. le procureur vous a demandé si des personnes qui pouvaient être exécutées simplement pour le vol d'une pelle, et vous avez répondu oui. C'était le 11 juillet, juste avant 12h08:43. Je vais vous lire rapidement deux petits extraits de témoignages de parties civiles et vous me direz si vous avez entendu des choses de ce genre. Le premier extrait est tiré de la déclaration de partie civile D22/3765, ERN en français 00-89-27-11, anglais 00-89-27-63 et Khmer 00-87-50-10. Cette partie civile dit ceci. Quant aux autres Khmer, j'ai vu les Khmer rouges les emmener pour les exécuter sans merci, alors qu'ils avaient juste volé un tube de bambou rempli à moitié de jus de palme, ou un nid d'œuf de poule, ou encore un coq. Certains étaient accusés d'avoir enlevé discrètement des graines de riz pour en faire cuire et en manger. Ils ont tous été exécutés, torturés ou frappés jusqu'à ce que mort s'en suive plus tard. Je tiens à préciser que deux de mes fils ont été exécutés parce qu'ils avaient volé un peu de nourriture pour calmer leur faim. Le deuxième extrait très court que je vais lire à ce sujet est tiré d'un transcript du 12 décembre 2012, E1/152.1. C'est encore Mme Denise Afonso. Et elle dit, juste avant 15h38:43, on lui pose la question à propos de son fils, est-ce que vous savez pourquoi il a subi ces traitements, ces flagellations? Et elle répond, oui, parce que comme tous les enfants de son âge, un jour, il a été chercher du bois. Au lieu de couper lui-même le bois avec ses copains, ils ont pris du bois déjà coupé. Et ils ont été surpris par les chlops qui ont dit, vous, vous êtes des enfants de corrompus, vous continuez à voler, et donc vous allez être punis comme il se doit. Et c'était comme ça. Fin de citation. Est-ce que, M. Eder, parmi les personnes que vous avez entendues, vous avez entendu des récits similaires à ceci? Yes, many. Je vous remercie. Je vais aborder maintenant le thème du transfert forcé, deuxième transfert forcé, que vous avez un peu évoqué ce matin avec Monsieur le procureur. Est-ce que parmi les personnes que vous avez entendues, des gens vous ont décrit les conditions dans lesquelles se sont déroulés ces transferts forcés. Vous avez parlé ce matin des motifs. Qu'en est-il des conditions dans lesquelles ces transferts forcés se sont déroulés? You mean conditions of transport? Des conditions générales de transport, de nourriture, de soins, de traitement. Well, by boat, truck, and train, often under quite crowded conditions, typically with little food, not a lot. In circumstances, in a manner that left them, in many instances, not able to sleep or rest, and therefore, in many instances, arrive wherever it was they were going
weaker, sicker, and hungrier than they had started out, therefore in very poor, relatively very poor condition. And a lot of this was done under some form of military control and guard, with the people being transported, transferred from one military operation of the next when they crossed, for example, a zone border or a sector border or another CPK administrative border. Je vous remercie. Je vais vous lire à nouveau deux courts extraits de déclarations de partie civile à propos du deuxième transfert forcé. Le premier extrait est tiré de la partie civile D22/2068 à l'ERN en français 00-92-34-28, anglais 00-89-33-84 et Khmer 00-54-45-41. Cette partie civile dit ceci. En 1976, comme la plupart des habitants, j'ai été déporté par train dans la province de Pursat. Nous étions très nombreux. Mon père, Vai Kut, ma mère, Di Yem, ont été déportés du district de Saang au district de Bati, province de Takeo. Je n'ai eu aucune nouvelle de leur part. Mes frères et sœurs, Di Ken, Di Yun et Di Rom, étaient aussi avec mes parents à Takeo. J'ai voyagé en train avec mes deux enfants jusqu'à Pursat. Le train était bondé. Je ne sais pas d'où venaient les autres. De petits enfants cherchant leurs parents pleuraient dans tous les coins. Les chefs de groupe les ont jetés par les fenêtres du train. Terrifiée par cette scène, j'ai serré mes enfants dans mes bras. À la tombée de la nuit, le train s'est arrêté. Nous n'avions ni moustiquaires, ni couverture pour nous protéger des bestioles qui nous assaillaient. Le lendemain matin, nous avons dû continuer notre route à pied, sous la conduite de deux hommes armés qui nous suivaient. Ils nous ont répartis dans les différentes coopératives. Et le deuxième extrait est tiré d'un procès-verbal d'instruction D217/3, ERN en français 00-37-20-53, anglais 00-35-37-02 et Khmer 00-34-94-97-98. Et l'extrait que je voudrais lire est le suivant. Une quinzaine de jours après la réunion, l'évacuation des habitants a commencé. Les habitants ont été installés dans de grands canaux, à l'ordre des centaines dans chaque canot. J'ai vu beaucoup de canaux, car c'était une grande évacuation qui s'est faite dans tous les villages de ce district de Lovia M. Les canaux se sont arrêtés au district de Ponya Le, puis nous avons été transférés dans les camions qui nous ont emmenés à la gare de Damnak Smak. Nous y sommes restés une semaine, où les Khmer Rouges nous donnaient notre ration de riz décortiqué. Une semaine plus tard, les Khmer Rouges ont appelé les noms des habitants pour qu'ils prennent le train à destination du district de Bakan, province de Pursat. Est-ce que, encore une fois, et j'en aurais fini avec ces citations, cela, vous avez entendu vous-même des descriptions de ce type parmi les personnes que vous avez entendues? Again, yes, many. Je vous remercie. Comme je vois que je n'ai plus trop de temps, je vais passer à un autre thème qui est celui du langage. Vous avez dit que vous parliez couramment le Khmer et puis vous avez évoqué avec M. le procureur
plusieurs expressions, notamment en français, dans la traduction « drainer le peuple » ou « assécher le peuple de l'ennemi ». Vous avez aussi parlé du terme « peuple nouveau » et vous avez aussi parlé de l'expression « saisir le peuple », »,« retirer le peuple ». Ma question est la suivante. Est-ce que parmi tous les entretiens que vous avez eus, vous avez noté dans ces entretiens que les personnes utilisaient un vocabulaire particulier propre à la période du Kampuchea démocratique. Par exemple, pour qualifier les traites, pour qualifier les activités agricoles, pour qualifier le régime, les dirigeants, etc. Yes, there was a particular and easily recognizable, as it were, political dialect that was widely used by cadre and ordinary people alike under the CPK, under CPK administration, in the same way that there was a difference between the language that was political language that was spoken under Sihanouk and the political language that was spoken under Lon Nol, but more dramatically. Est-ce que vous pourriez me donner un exemple, par exemple, concernant ce que vous avez entendu, bien sûr, pour qualifier les activités agricoles, la production, le travail dans les coopératives, etc. Well, to start with the end, there was a particular party parlance word that was used to refer to production, as opposed to the simple colloquial torsra. Famously, the word for to eat, of which there had previously been a fairly wide variety depending on social class, social status, social station. Everyone was expected to use a kind of peasantism, hope, for eat instead of any of the other possibilities. So yes, I mean, for common, some words were made very, where everybody was expected to speak a more common form of command than had previously been spoken, at least by some people, whereas conversely there was a new set of vocabulary mostly introduced via translation from Vietnamese, where people had to speak at a different register that was in some ways more formal, more official than had previously been the case. So it kind of moved in both directions at once. Merci. Ce vocabulaire particulier, est-ce qu'on le trouve uniquement dans les documents qui émanent du centre, c'est-à-dire des discours, les journaux officiels du parti, les documents institutionnels, procès-verbaux de réunion, Est-ce qu'on retrouve ce vocabulaire uniquement dans les documents ou est-ce qu'on retrouve ce vocabulaire aussi dans l'oralité telle qu'elle est parlée par les cadres aux différents niveaux? I object, Mr. President. It's clearly an invitation for an expert opinion. Je ne pense pas que je demande à M. Eder de se prononcer en qualité d'expert, même si je ne doute pas qu'il pourrait le faire. Je lui demande de me parler de ce qu'il a entendu, lui, et de ce qu'il a vu et lu. Je sais qu'il a lu beaucoup de documents, des preuves documentaires. Je sais qu'il a entendu beaucoup de gens, et notamment des cadres. Et je voudrais savoir si dans ce qu'il a entendu, en termes oraux,
repris par les cadres, il entendait le même vocabulaire que celui des documents écrits qu'il a lus. Donc, je ne crois pas qu'il est invité à spéculer ni à donner son opinion, mais simplement à faire un constat. បាទស្រីជំទាស់របស់មេធាវីអន្តរជាតិកាលពីក្រោយលោកនួនជាលោកមេធាវីនាំមកកំណាងដើមម្នាក់របស់នេះរៀបចំនៅសំណួររបស់ខ្លួនឡើងវិញហើយការរៀបចំនៅសំណួរសូមគិតថាអង្គភាពបានជម្រាបជូនក្នុងរំលឹកជូនតាំងពីដើមមកហើយកំណត់នៅឋានៈរបស់សាក់សីរបស់លោក ស្ទីលហេតដឺជាពូមុខអង្គចម្រះនឹងក្នុងឋានៈជាសាក់សីមិនមែនឋានៈជាអ្នកជំនាញទេហើយសូមឲ្យរៀបចំនៅសំណួរនោះឲ្យមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ទៅខាងឋានៈជាសាក់សីតែម្ដងបាទឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយហើយមេបកាសសម្រាប់20នាទីចាប់ពី2នេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង3សូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្ភារៈ មន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការរំរួលផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់រងចាំមេតាក់ស្័យនៅក្នុងឡុងពេលសុខសម្រាប់នឹងឲ្យជើងគាត់ត្រឡប់មកកាន់កន្លែងផ្ដល់ខេកម្មវិញនៅវិលីមម៉ង3សម្រាប់ចុះសូមក្រោកឈរ